On va repasser vite fait dans les DLC. Parce que j'ai oublié de faire quelque chose. C'est-à-dire que le message, en fait, j'ai regardé encore là. J'ai regardé en fait le vlog du stream d'hier. Il faut tuer tous les élites dans les deux missions. Et j'avais pas fait gaffe en fait. Donc on a fait la bataille de boule de neige, donc c'est la plus difficile. Et après il y a celle à faire. C'est avec le tank. Donc il faut tuer tout le monde. Il faut tuer tous les élites. Enfin, en gros, on va tuer tout le monde. Donc on va faire ça. Et ça devrait débloquer Rax. un nouvel épisode. Oh, en DLC. Donc voilà, on va directement faire ça. I'll handle this. Awaiting further order. Here I go. Can't wait. Let's do this. Ready and waiting. Got to stay. All right. On va prendre notre temps. On va prendre notre temps. I don't care if Raz. Le problème, ça serait le tank. En fait, le tank qui arrive après, mais. Listen. On va le prendre en dernier. On va avancer très très doucement. Donc ça devrait aller. Ah oui, c'est vrai qu'on est bloqué comme ça là. Alors, soldat d'élite. Let's see some spirit. Ouais. On va le faire à l'ancienne. On a combien de points d'action? Hey. Ça va. Oh, great. Deux. Ah, elle a le... Ok, le triple. Cool, cool, cool. Donc ça va, elle peut tuer tout le monde. Elle a l'anti-personnel augmenté, donc du coup, bah, une balle ça suffit. Oh, on tirait avec... avec Rosetta. Finir le temps, comme ça, ce sera plus une menace. Un peu triste de tirer trois fois. Voilà. Ah, c'est vrai qu'il y a ce connard là. On va d'abord se faire lui. On va y aller au lance-flamme. Utiliser tous nos points, on n'est pas allé ultra ultra loin, mais on a tué tout le monde tout autour. Ah, on n'a pas fini. Ah oui, il y a le tank là. Merde, j'aurais pas dû m'avancer en fait. Right, right. On va placer Connor. I can play support. Non. I found the enemy.
Ouais. Je retire sur le mec seul, du coup. Pas grave. Ça, je savais pas. Je pensais que quand ils contre-attaquaient, c'était leur vision en fait, c'était leur maximum. Mais apparemment, ils peuvent tourner. Quand c'est leur tour, ils peuvent tourner un peu plus que leur vision de contre-attaque, de riposte. On va faire attention à ça. Voilà, allez, tire, tire, tire. On va faire Connor, comme ça on va faire venir l'ingénieur, on va récupérer des munitions. Il y a des mecs juste là, je crois. Take aim. Pas. Here I come. Ou pas. Bye bye bullets. Bye bye bullets. Weakling. Okay. Found you. Meat sacks. Found you. Ouais, Connor, on devrait jouer après. Take aim. That freaking teamwork. Il est fou lui. Complètement barge. Let's see some spirit. Ouais non, j'allais dire on monte sur la... sur la tour, mais elle peut pas prendre le genre le lance-roquette par dessus la barricade, donc du coup ça passe pas. Non, je me disais j'ai tiré un peu bas. Ah quelle merde. Qu'elle fasse la part pour éviter qu'on crève. Oh, great. Gotta keep cool. Peut-être des gens qui vont tomber, mais c'est pas très grave. C'est pas comme si on était submergé en fait.
quel tank. Merci pour le follow et bienvenue. Ok, parfait. L'autre aussi, il a très peu d'HP, donc ça serait bien. Ah bah, encore en vie. Comme j'ai dit, elle sert de tank. Va peut-être pas survivre, mais... Elle va peut-être y passer, mais au moins, personne n'a pris... Oh non, il a que 10 points de vie. Ok, ça va. Je crois que l'autre, il a pris, par contre. Ils étaient alignés. Ah, ça va. Ça passe bien en fait. Ça passe super bien. L'ancienne, on n'a pas utilisé le tir. Qu'est-ce qu'on a là? On a un éclaireur, un soldat, un sniper au bout. Okay. Oh non, le troisième tir. Oh quelle merde, le troisième tir il a pas touché. J'étais quasiment sûr. J'étais sûr. J'étais honnêtement sûr que ça. Ah putain. Elle est tombée où? Ah, elle est là. Salut El Clodos. Bienvenue, ça va? Dégâts. Now, what genre? Faut qu'on se fasse le sniper. Fais chier qu'on ait plus le sniper. Neige, t'es caché. Deux, fous de moi. Oh. Ça va, il prend quasiment pas de dégâts. Assassin's Creed, non. Je compte pas le prendre, ça fait un peu trop là le... Il y a Red Dead Redemption qui est arrivé, tout ça, et je veux le... Je veux surtout faire ça en fait. Just keep smiling.
Ah, c'est une idée à la con. Ah, c'est une idée à la con. Ça fait un peu trop à acheter. Là, on va le laisser. Quoi que j'aurais pu lui tirer dessus en fait. C'est chier. Ah, mal joué ce tour. L'un devant l'autre. Here I come. Brûle. Voilà. No problem. Tire pas à l'autre. Ah, parfait. May you rest in peace. Si Neige avait pas merdé son pierre, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Merci Alcodas. Avec les 20, un petit don pour t'aider pour ton budget jeu. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup. Je m'y attendais pas. Ah, ce mois-ci c'est serré, hein. Ce mois-ci il y a des gros jeux qui sortent et faut faire un choix. Je peux pas tout faire. Enfin, déjà avec le temps aussi, parce qu'on va en passer des heures sur Red Dead et tout ça. Hein. Putain. Là on est reparti pour un jeu à 150 heures minimum. Hein. Minimum. On va rappeler Neige. Understood. On va déployer les autres. Ouais, en plus il va plus ou moins jamais sortir sur PC. Hein. Le premier il était pas sorti sur PC, donc ça m'étonnerait qu'il fasse ça pour le deuxième. Je serais très très étonné. Ou alors s'il le sort, c'est vraiment genre dans un an. Quoi. Et encore. Me
smell blood. Voilà. Très bien. Bon. Il manque quelques mecs à tuer, on est bon. On aura tué tous les élites. Que la PS4, ouais. Right, right. On va avancer, Connor. Merde, j'aurais dû avancer quelqu'un pour savoir où est le mec en fait. Il a l'air d'être dans le camp. Genre là. Take aim. Sûrement mal tiré. The Last of Us 2. Ouais. Enfin, ça va être bien, mais je pense. Enfin, pour moi, c'est pas. Enfin, ça va pas être le jeu de l'année, genre que j'attends, quoi. Enfin, je sais pas. Mais c'est sûr que ça, il va être cool. Ok. On va pouvoir se débrouiller avec ce tank. Now, what genre? On va même pas lui faire de dégâts avec ça, non, si. You'll have to go. Tu vas pas me dire qu'il est immunisé aux attaques juste pour. Juste parce que c'est un. Genre c'est un officier quoi. Je crois qu'il est immunisé aux dégâts en fait. Bon, on va sûrement seulement tuer le mec à côté. Putain, évidemment il est pas mort. Ah, il lui reste encore un tout petit peu d'HP. Avec Rita, si on fait le tour, peut-être qu'elle pourra donner des munitions. On va voir. Hey, cours, Rita. Rita. Ah, il est trop loin. Non, il a. Du coup, ça sert à rien de la jouer, ça sert à rien de le jouer. No problem. On se casse. Adios.
Normalement, on a juste à tuer le mec. Le mec qui est à terre, et on est bon. Par contre, on le voit plus, faudra envoyer... Ouais, mais on a des gens à côté. Adieu. Oh. D'abord, ils tombent par terre, mais ils sont pas morts. Et si on met trop de temps à les relever, ils meurent. Définitivement, on perd le personnage. Tu peux pas le finir, lui. Il a plus d'HP, quoi, sérieux. Oh la vache. Oh. J'avais pas compté sur ça. Ok. Now, what genre? On va devoir rester un tout petit peu plus longtemps. You'll have to go. On devrait pouvoir tuer quasiment tout le monde. Après, c'est des élites tous. Normalement, ouais. Là, par contre, elle est tellement dans la merde, Azuzu. Toi en tire. Pris. Let's keep moving. Toujours en vie. Now, what genre? You'll have to go. I need inspiration. Action supplémentaire. Énorme. Parfait. On est bon, tout le monde est plus ou moins mort. My pleasure. C'est bon. On ramène deux personnages à la fin et c'est fini. Et après, théoriquement, on devrait avoir un nouvel épisode dans le DLC. Here I go. Ok, plus qu'un autre. Ah ouais, c'est très XCOM, mais ça c'est... Mais comment dire Hey Raz, check this out. Chronicle et... Raz, where'd you go? À sa façon de faire sa stratégie, en fait. Allez, encore plus que... Understood. Alors, on va pas y arriver ce tour-ci, mais ouais, prochain tour, on y arrive. Celui-là, il a pas assez de déplacement. Quoique. Yeah! Parfait.
Voilà, on a tué tout le monde. Sauf le tank. Mais le tank, on pouvait pas. Et j'ai pas de nouvel épisode. Apparemment. Donc j'ai merdé. C'est ça? J'aurais peut-être pas tué tout le monde dans un groupe d'ours, genre je... J'aurais pu... Fallait peut-être encore attendre. Je comprends pas. Je sais pas. Bon, on refera peut-être un jour. Non, non, la sniper, je l'ai récupérée avant que... Quand elle était par terre, je suis allé la récupérer. Bon, ben... Histoire, du coup. On est reparti dans l'histoire. To reach the Imperial capital, we'll have to find some way past the fort with minimal losses. That means it's more important than ever to be prepared. About that, Captain. I'm sorry to report that the crew's starting to get uneasy. As it stands, trying to push past the sea fortress would be incredibly reckless. Even then, we might not be able to take the capital. Some think we should retreat while we still can. It's just rumblings for now. But if morale dips any lower, mutiny may not be far off. I can certainly understand that position. This must look dire indeed to the rank and file. But loose lips sink ships. We cannot disclose our plan. Agreed, sir. But for now, we need to resolve this before it becomes a crisis. I heard an interesting piece of information myself, you know. And what would that be, sir? A small group has been lifting spirits through the ship, attempting to convince the dissidents one by one. Who would attempt? I'm sure you can guess. It's Squad E. I propose we give Mr. Claude Wallace a chance to find a satisfactory resolution. On va vraiment attaquer la base, la forteresse en fait. C'est un peu abusé. Leave the heavy lifting to those who are young and on their first pair of legs. As I will wait and see. Alors, on va voir. On va attaquer une des plus grosses forteresses ennemies qui existent. C'est super. Oh, hey Claude. How'd it go? Not great. Everyone's fear is getting the best of them. So what if we have to go hungry for a while? We've eaten grass, frogs. We can manage, can't we? It's a different mindset here. We can adapt on land, but out at sea, our fate is tied to the ships. I don't think that's gonna help convince them. Well, fine. If those chum buckets don't like it, they can take a long walk off a short plank. No. Losing manpower would hurt our chances even more. I know that, damn it! But everyone here wants to take down the Empire. We're united by that much, right? What the hell? Why aren't they listening to us? Oh, hey. Where's Kai? I asked if she wanted to help, but she seemed really... I don't know. Distracted? C'est un traître. She said something about having to do rifle maintenance and to go on without her. Damn it! We're trying to convince hundreds of people here. She may be cranky, but we could use the help. She's been acting really weird lately. Kai's probably dealing with her own issues. Whatever is going on with her, we still have work to do. Come on, Raz. Yeah, all right. I'm coming. What can we do? Damn you, Claude. Rien du tout. Comment dire aux gens qu'on va pas à leur mort, quoi. I thought you were up to one of your usual schemes. Given up already? Oh. Minerva. I haven't given up. It's just... I don't know what to say to the others.
I feel like I have to say something to bring us together and raise morale, but I can't find the right words. If you can't do the job, I could take your place. Maybe that would be for the best. You absolute imbecile! The right words? I thought you had a spine, but I suppose I've overestimated you again. Wow. You think a motivational speech will win this war? I didn't pass up a promotion for you to just talk. You're here now because of your intelligence, your wit. No matter what you faced, you found a way through. You led your squad through each and every victory. You already have what it takes to get this crew to fight for you. And it damn well isn't your way with words. Minerva. You have one thing I don't. You didn't lead your friends to their deaths. Oh. I will not tolerate failure. If you want to prove yourself, do it through action, not words. Action. Right. You're exactly right. Thank you, Minerva. I feel like some kind of fog is lifted in my mind. I suppose you just needed a good impact to knock it loose. Et tu vas faire quoi? Fog. That's it. Fog. Oh mon dieu. Why didn't I think of this sooner? Oh mon dieu. Pardon? Thank you, Minerva. I wouldn't have figured it out without you. Excuse me. I have to see the captain. Well, whatever's gotten him so worked up, at least he's come to a decision. Honestly, he really is an imbecile. Ouais, les musiques sont cool. J'aime bien aussi. Elles reviennent un peu trop en boucle, peut-être. C'est un peu tout le temps les mêmes qui se jouent. S'il va me sortir, genre, hey, on a qu'à utiliser le brouillard pour aller dans la... dans la base. Dans la forteresse. What do you think? The army boy with a stick up his ass, here to give a big inspiring speech. Hey Kai, what you doing over there? J'espionne. Hey, seriously, what's going on? Everyone, I apologize for how sudden this is. I'd like to propose a new plan to get past the Sea Fortress. The core of their defenses is their high-powered artillery. We'll have to neutralize that first. The plan is to use air balloons to drop troops in from above and seize control of the emplacements. On a des ballons? At the same time, the Centurion will make a frontal assault and charge directly toward the fortress. What? Soon, a dense fog is going to cover the entire fort. That'll be our chance to infiltrate it. The wind should be steady enough for balloons, even in the fog. Visibility won't be good, but we can land on target. I've already received the captain's approval. We just have to get ready. And when the time comes... Wait. The captain actually approved this? Yes, he did. Et il est encore plus fou que ce qu'on pensait. Are you insane, Claude? How could you think this is a good idea? How could the captain sign off on it? Parce qu'il est vieux, il est sénile et tout ça. Il faut le virer, le capitaine. C'est depuis le début que je... Depuis le début qu'on l'a rencontré, j'arrête pas de dire ça. You want to drop us into a fort? We're barely equipped. How can we take out the artillery like this? We won't even have a secure escape route. And you're just going to send the ship charging forward? A head-on firefight won't do us any good. Even if we win, it'll be a Pyrrhic victory. The losses would be too much. We'd have no chance of taking the capital. My plan's the most realistic option we have. Now that's what I'm talking about. Raz? I was just thinking I wanted to let off some steam. Been cooped up in this goddamn ship for too long anyway. They're so proud of their heavy artillery, huh? I want to see their faces when I break it in half. But those of you willing to fight, come with me. I'll explain the op in more detail. Count me in.
We turn back now, we'll be the laughing stock of the Federation. Damn right! The Centurion can make it through anything! Alright, then let's do this. Nice assist there, Raz. Well, it was enough to get a compliment out of you. Yay. Yay! On va être parachuté et tout, ça tue. So that's the marine base we're going after. The fog hasn't rolled in yet, but shouldn't be long now. Oh, look! From the north! Wing talk comes through for us again. Okay, everyone ready? Wait! Claude! Miles. Are you really going through with this? This plan is completely insane! It's suicide! Are you that scared of death? No. I'm a soldier, Claude. I'm not afraid to die if I have to. I am. Huh? I'm scared. Not just for myself. I'm always afraid that my friends are gonna get hurt or killed. Then why are you... Because I'm not alone. I'd be too afraid to do it alone. But if I've got everyone behind me, I know we can do it. Même si c'est du suicide. Reminding myself that we're all in this together gives me the strength to do the impossible. Isn't that how we made it through all our battles? Claude, time to go. Par contre, j'espère qu'on va avoir le tank. Avant de lancer, on va aller au quartier général si on a de l'expérience et de l'argent à gaspiller. Ah si. Wow. 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 Après, il va falloir remettre les armes au personnage. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est chiant ce... Wow! All done! Wow! Oh la tête du truc quoi. Lance-flamme. J'aurais dû peut-être faire un peu attention à l'argent. À chaque fois je dis ça, mais j'en fais jamais. Je fais jamais gaffe. Mais là... On doit acheter les trucs pour le tank et tout. Voir le bateau. Atelier de réparation, ouais, ça peut attendre. Je l'ai acheté, mais j'ai tellement peu de place que ça sert un peu à rien. Wow.
amélioration de la visée. N'a plus d'argent. T'es sérieux, on peut encore mettre plus de capacité? Oh mon dieu, on a plus d'argent, c'est 20 000, bon je peux le prendre. Et après là, il y a ressort à l'âme avec des PA en plus, on peut aller encore plus loin, mais c'est... Oh la vache... Je suis dégoûté. Capacité, nacelle supplémentaire et nacelle améliorée. Nacelle. Hop, ça fait deux grosses nacelles. Et après, on met PA en plus pour aller plus loin. Donc, du coup, il a... Putain, capacité 5! Ah ouais, quand même. Là, ça fait 4. 4 ça suffit quand même. 4 c'est déjà beaucoup. Bah je peux rien mettre d'autre de toute façon parce que ça va pas dans le... À part ça, la résistance. Ah, on va voir. Done already? C'est un peu abusé. Let me out. Please, I want to get out of here. Huh? You hear something? I don't know, but something just brushed up against my leg. Just let me out. Ah, screw it. I can't take it anymore. Ah! A ghost! Oui. Who are you calling a ghost? I'm invincible, not invisible. Haha. Raz? Why are you lurking under the table? I wasn't lurking. I dropped something, crawled under the table to get it, and then you two dumbasses blocked my way out. Right, right. It had nothing to do with you sneaking a peek up my skirt. I knew you'd say that. That's why I was trying to wait for you to move your butts. You got any idea how much it sucks? When you want to just get out of there and you can't? It's freaking annoying. Like when you're sitting at camp waiting for the goddamn go signal from your commander. Yeah, I know you hate being on standby. I try to deploy you as fast as I can. I'm not a little kid, man. I know it's your call to make. Yeah, but it would be nice in a pinch if Raz could just leap in at a moment's notice, guns a-blazing. Requesting instant troop deployments would expand our strategic options. Oh, yeah, man! I knew you'd find a way! I never said that. I just... Wait a minute. I've got an idea. Yeah! Remember, you had the idea, but it was me who gave you the idea to have the idea. Je sais pas ce que c'est. Déploiement rapide, ça me dit rien. Bon, ça me fait un peu chier le coût de l'argent, j'aurais bien voulu... Enfin, c'est pas grave. De toute façon, on n'a pas assez de place pour le truc. Ok, on va faire la grosse mission. On va sûrement crever. On va voir comment ça se passe.